Toi. Il fait beau dehors. C'est moi, Pedro, ton ami. J'étais dans les pommes. Ça va mieux? Combien de doigts? Que nous soyons. Bonjour tout le monde, c'est moi, c'est Kofo. Aujourd'hui, on se retrouve dans My Friend Pedro. Un jeu cool. Voilà. Bon. C'est un jeu. Je vous le sais pas vraiment si vous connaissez. Ah, regarde. Tant que ça tombera vers le prochain étage. Là, c'est un jeu comme Matrix, parce que vous allez voir. Est-ce qu'on peut faire sur ma seule personne? Attendez un petit peu. En ce jeu-là, comme... En tout cas, vous allez voir. Tac. Comme... C'est des jeux mobiles... Non, en fait, je sais pas que c'est des jeux mobiles. Quelle irresponsabilité! Un creeper a laissé traîner son pistolet. N'importe quel fou pourrait le ramasser et s'en servir pour faire n'importe quoi. Allez, ramasse-le! Un petit doigt me dit qu'il pourrait être utile. Hein? Vous voyez? Oui! Mais on devrait pouvoir s'enfuir en empruntant sur le tableau derrière. En fait, vous voyez là, ce mec-là, irresponsable, qui s'appelle Pedro. Ben, c'est notre ami. Et comme tout bon ami, il nous propose de prendre un gueule. Mon meilleur ami. Mais non, je plaisante. Les meilleurs amis, c'est vous. Derrière la caméra. Oh, oups, c'est Mich le boucher. Dans l'établissement, c'est un peu couverture de votre trafic d'armes. Ces armes sont principalement constituées de rats, de pigeons, de gens dans la famille. Mais c'est lui, patron. C'est lui, ton crâne, mon citoyen. Je m'interromps pas en plein travail, tu vois, la cargaison est prête. Bande de feignasses, alors la poêle a tué le feu. On se fait la police, on cherche le pape pilote en train de manger le sol. Il vient des rues, il va devenir éliminé. Hey, regardez ce côté. En fait, il existe plusieurs sortes de en fait, il y a beaucoup de niveaux, mais je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Si vous compliquez, ça dépend. De toute façon, on va y aller discrètement. Ok, à la fin, là, il y a des points, bien sûr. Bon. Vous allez voir là, à la fin du niveau. Lily, Raps comme une con, qui m'a l'air un peu pâle. Viens, je t'amène dans mon repère, on va se faire. Hey, on peut dire
qu'il a une banane dans les oreilles. J'ai une banane dans les oreilles. Quand tu actives la concentration, c'est comme si le temps se ralentissait. Et quand la concentration est activée, tu peux réaliser des petits rythmes dans les essais. Complètement ralenti tout en tirant sur ce vase inestimable hérité de ma grand-mère. Et regardez, on va utiliser le bon conseil de Pedro. On sort. On sort du bâtiment. FBI, open door. FBI. On est dans la vieille ville où Mitch fait la loi ici. C'est comme une maison de retraité, donc on est loin, on est sans nombre. Vous avez faim.
On va juste s'assurer. Après, ils sont pas en fait là. Balles dans le ventre. Wow, 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 wow. Le bonus d'invulnérabilité, ça veut dire comme si jamais vous êtes touché. Puis le bonus de difficulté, voilà. Là, c'est comme ça, c'est cool, genre. C'est comme consternant. Ça me fait penser là, avec du monde au condo. Le chemin le plus rapide pour quitter la vieille ville passe par une restaurante gastronomique de Montréal. Bye.
Non, ça c'est un jeu. Tu peux tuer tous les ennemis en faisant. C'est un quartier très vivant avant que les chevauchés soient là. J'ai même participé à des raves parties complètement folles dans ce bâtiment. C'est une banane. Et donc comme je disais, comme dans le poste, tu peux tuer tous les ennemis, enfin tous les autres fois qu'il y a été des... Donc voilà. Avec le mode sans machin. Genre, c'est comme si les amis avaient moins de temps. Ah voilà, le son est revenu. Et voilà. J'ai même pas fait toucher une seule fois. Spin G2. Show off, Dayblade. Show off. Deep lead. Attendez une minute. Je... Bam, 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 bam. What? What? Vous voyez? Je prends des dégâts, j'en prends plus. M'en fous, mais c'est bizarre vraiment. Niche.
Ah, la vie. Hallelujah. Je sais pas si c'est parce que je suis lourd. Je parle du jeu, bien sûr. Carrément moyen. Vous voyez, c'est des trucs comme ça, genre bizarre. Ce jeu-là, ce qui fait son charme, c'est pas les graphismes, mais c'est Pedro. D'où le nom, My Friend Pedro. Eh, regardez son chandail, j'avais pas vu. Oh non, il a Uzi, la nouvelle arme. Wow. Mais c'est pas la seule arme, il y en a des surpuissants. Genre, de ce que je sais, là, c'est... Non, mince. Mon bras est coincé, s'il vous plaît, aidez-moi. What, je ne l'avais pas vu. C'est bon. Wow. Genre, c'est plus lent, mais t'as moins de dégâts. Voilà. Il y en a d'autres. Ok. Faudrait que je pense plus souvent activer le mode ralenti. Mais eux là, je sais pas pourquoi. Je sais pas si vous connaissez l'expression. Jeter de l'argent par la fenêtre là. Mais lui c'est... Mais genre... lui il fait la même chose mais avec des balles. Ah. Ça fait ça, genre le truc là que tu peux voir les bas, ça fait passer un très bon jeu. Ah oh. Non, t'as rien entendu.
Ce jeu est cool, drôle, pis stupide en fait. Mais c'est compliqué à avoir des balades pour moi. Peut-être que vous, genre, vous allez essayer le jeu. En fait, on a peut-être dû tourner à gauche. Tant pis, on va faire les tours. Hein. Ok, donc vous allez dire le jeu est facile, puis tout, genre vous allez peut-être faire des meilleurs scores, vous dire que je suis nul et tout, et tout, et tout. Ah, wow. Attends, non. Non, mais. C'est touristique, oui ou non? Ah. Ah, voilà. Ah, voilà. Vous pensez qu'il va en avoir un autre qui va sortir? Non? Ok. Personne. Voilà. Ok. Avoir ce plus de balles. Spider-Man, Spider-Man, look up as a Spider-Man. Look up. Up, up. Attention, Fast and Furious. En fait, voilà. J'ai pas compris. Ça, je comprends pas, genre, ils entendent sûrement les bruits de balles, mais ils tirent pas. Ouais. Oh, oh, oh. Ah, oui, t'as oublié de la faire, celle-là. Je vais avoir quoi comme note? C'est moi une note nulle, comme d'hab. C'est comme Calamité. Genre, tu peux avoir des E, je pense, la meilleure note, c'est pas A, mais S. Oh, regardez là. Je te parie un biscuit que tu peux pas botter le ballon dans le panier. Là, regardez. Le gros troll. Oups, j'ai mangé tous les biscuits. Pedro, je vais... Tiens, hop. Je te parie double de la mousse, là. Je parie que je vais décider avec le ballon. Animation. Non. Ah. Ah non, il a pas le doux son chapeau. Juste au cas où. Bam. On va faire le panier.
Oui. Et ils sont doutés de rien. Pedro était une banane comme les autres. Qui soudain. Oh non, 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 cache-toi. Cache-toi derrière une box. Cache-toi. Bon. Cache-toi derrière une box. Ouais. Avant. Pam, pam, gueule. Oups. Je sais pas quoi ça se fait avec ça en fait. Mais genre lui, tu vois, il tire alors qu'il sait même pas que je suis là. C'était rien. C'était quoi ça? Maman, ça vous fait rire, non? Ok. Je dame, t'écoutes papa? Ok. Ouh! Ah, c'est pas une boîte, ça? Si. Pourquoi je me... Oh. Ah non, je mens. Oh. J'ai hâte de récupérer le fusil à pompe en Julie. Bon. Ta ta ta. Non, t'as rien entendu. Ah, t'as entendu? Non. Ah, les amis, est-ce que vous avez entendu quelque chose? Non, je pense pas. Est-ce que tous les humains sont comme hier? Oh là là là. Ah non, c'est bon. Ça. Ne vous inquiétez pas, tout le monde mourrait. Piche. Wow, 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 wow. Oui, oui, je sais, Pedro. C'est la fin du niveau, les amis. Et vous savez ce que ça veut dire? Je vous donne un indice. 34 minutes. Oh, vous savez bien maintenant, 34 minutes 17. Donc là, nous avons eu les notes de comme consternant. Eh ben, je vais vous le dire tout de suite. Mes chers amis, c'est la fin de la vidéo. Donc, bye bye tout le monde, c'était Monsieur Corolle Poulpe. Au revoir.